Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 30 juin 2021, direction l'hippodrome de Vichy pour le prix du Bois du Bouc. Quatrième course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce quintet plus provincial, ils seront 14 compétiteurs, donc trotteurs français, à espérer décrocher la victoire. Sur le parcours des 2950 mètres initial de la piste à main droite, il devrait y avoir du rythme puisque 8 compétiteurs partiront avec une avance de 25 mètres ici. Espérons maintenant que nos préférés soient à la hauteur de nos espérances. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 13, Élégant du Lupin. Sa musique parle pour lui puisqu'il est d'une folle régularité depuis le début de sa carrière. Présenté par Jean-Paul Marmion et piloté par Antoine Vils, pour ce bel engagement, il vise tout simplement le succès. En deuxième choix, le numéro 4, Endo d'Azif. Déféré des antérieurs pour la première fois de sa carrière, ce cheval restant sur 2 disqualifications n'a qu'à rester au trot pour réaliser un véritable numéro ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Antoine J'espère. Anthony Barrier connaît par cœur ce pensionnaire de l'écurie Sylvain Dupont. Déféré des 4 pieds et bien engagé au premier échelon, il aura logiquement de nombreux fans. En quatrième position, viendra le numéro 14, Cadet. Débarqué dans les box de Benjamin Goetz il y a maintenant quelques semaines, il se présente déféré des 4 pieds et piloté par Eric Raffin pour valider ce bel engagement à la limite de la qualification au gain. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Eagle Mélois. Il devra une nouvelle fois rendre la distance de 25 mètres, mais déféré des antérieurs ici, nous le pensons capable d'un numéro s'il est décidé. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Eden Delamoire. La famille Corbin le défère des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, ce qui devrait être un énorme plus ici. En avant-dernier choix, le numéro 12, Enzo River. Piloté par David Beckard pour la circonstance, s'il est planqué durant le parcours, il va accrocher une belle place à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, D'Amour de Mani. Georges Fournigo l'aime bien et pense qu'au premier échelon, en faisant pas le fort durant le parcours, il peut attraper un bon lot à l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 10, Effigie Madric, qui partira avec la confiance de la famille Abrivard, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono indique encore de nombreux coups de cœur gagnants tout au long des différentes réunions premium. Pour vous abonner à Prono VIP et profiter de ces nombreux pronostics gagnants, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.